Salut les amis, c'est Joazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play de Forza Horizon 5 sur Xbox Series X. Et on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir également. Et laissez-moi un petit commentaire, hein, ne fût-ce qu'un petit salut, coucou, comment ça va? Je vous répondrai. Allez, allez. On va voir ce qui nous attend comme prochaines épreuves. Avec ma voiture Coca-Cola. Alors, on va t'acquitter. Ravi de vous revoir, l'enragé. Ouais, ravi de t'entendre. Yep. On va mettre la carte, la carte, la carte, la carte. C'est la carte. Qu'est-ce qu'il y a ici en vert? Texte. Circuit de cross-country de la Costera. Je l'ai déjà fait apparemment. Novice du circuit. Pro du circuit gagné sur le circuit de la Costera. Je l'aurais déjà fait ça ou pas? On va le refaire, on va y aller. Tac. Faites demi-tour dès que possible. Dans 100 mètres, tournez à droite. Oh là là, mais qu'est-ce que je kiffe à chaque fois que je m'y remets. C'est incroyable. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. T'inquiète, Ginette. Je voyais un trait rouge, mais je me disais quoi ce truc? Mais en fait, c'était le reflet de la carrosserie. Ceci explique le fait que je me sois retrouvé tourner à gauche dans les brelles. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Ah là, je l'ai bien rasé. Hein. Tournez à gauche. What the job? Ouf, oh là 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 là, il était bien pourri celui-là parce que sinon il l'aurait pas cassé. Vous avez atteint votre destination. Allez, on va le faire en solo. J'ai l'impression que je l'ai déjà fait, hein, mais bon. On va retenter le bazar. On va prendre peut-être un véhicule recommandé, donc comme ici le Ford Bronco Air Pack. Donc, le pack de bienvenue. Tac. On va tester avec ce véhicule-là, on verra bien.
Allez, c'est parti les amis. On y va, on est go, on est chaud. Ouais, je l'ai déjà fait. Ouf, dit quel atterrissage de dingue. On a été stoppé net. Pour le moment, on est troisième. Les deux premiers sont juste devant. Si on pouvait les rattraper, ça serait cool, cool, cool. Et je roule, roule, roule. Tu m'aimes. Moins stoppé que tout à l'heure, on a mieux pris le tremplin cette fois, mais quel kiff de jouer à ce jeu, franchement je le répéterai jamais assez, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on est passé en première position, peut-être pas pour longtemps, mais on va essayer de la garder quand même. Ça serait cool. Ça serait génial. Et c'est parti pour le dernier tour. Dommage, c'était pas déjà le dernier tour. C'était gagné. On va encore devoir assurer quand même un peu. Oh là 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 là. On va quand même essayer de les rattraper. On va pas revenir en arrière. Faut qu'il y ait un peu de challenge aussi. Oh mais regardez-moi ce ciel magnifique. Oh là 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 là, mec, c'est beau. Ah, j'ai trop ralenti. Hein. Ouf, là, je ne vais pas me réceptionner convenablement. C'est mieux comme ça. Eh ben, on est premier, yes.
Allez, on continue. Regardez-moi ça, toute cette terre là, toute cette boue sur les pneus. Allez, on va aller voir ce qu'il y a comme autre épreuve dans les environs. On a ici un truc qui est marqué nouveau. Cross country de la Ribera Rocosa. Bon, on va faire ça, tiens, c'est pas très loin. Hola, mi amigo. J'ai discuté avec le club Ferrari du coin et on m'a raconté qu'il y avait peut-être un modèle de collection dans une grange pas loin d'ici. Je leur ai dit que je connaissais un spécialiste en la matière. Ah ouais, c'est moi. On ira voir ça plus tard. Hein. Dans 400 mètres, tournez à droite. Faudrait une fois que je m'y remette quand même sur le 4 aussi que je n'avais pas terminé, que j'avais commencé avec vous en let's play. On le continuera, hein, pour pas vous tracasser, parce que j'ai quand même adoré cet opus là aussi, j'aimerais bien le terminer. Et pareil pour le 3, mais bon le 3 on le fera peut-être après quand on aura terminé le 5 et le 4 on se remettra peut-être sur le 3. Vous avez atteint votre destination. Yep. Voilà voilà. Yep. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Bon, on va prendre celui qu'on vient de prendre. Hein. C'est à peu près le même style d'épreuve, donc... Et comme il allait bien... Regardez-moi ça, les pneus, quand ils sont bien neufs, nickel et tout. Et vous voyez après la course que ça donne. Avec un champ de maïs, de corn. J'adore ce style d'épreuve aussi. Hi-ha! Je vais pas atterrir sur le capot de l'autre, j'espère. J'étais un peu déstabilisé pour le coup. Oh là là là, j'ai du mal à me reprendre. Il y a une basket qui a valsé là. Quand t'es dans l'eau, tu sens vraiment la résistance de l'eau. T'es un petit peu freiné et tout. C'est vraiment... Les sensations sont vraiment très bonnes. J'en ai presque oublié les mouettes qui s'envolaient là. Ah, j'ai déjà eu cette musique là, non? Le rythme me parle. Woltejal. Oh là 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 là, le kiff. C'est le kiff total, les amis. Ce jeu, c'est une pure merveille. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okusum. Et encore une victoire. On va peut-être mettre le ralenti, tiens. Pour ceux qui aiment bien les ralentis. Pour les autres, ben, il suffit juste, comme c'est une vidéo, de passer 2-3 minutes. Alors, caméra. On va mettre... Pas hélicoptère, non. Suivi avancé. Et on va masquer. Je crois que rotation lente, c'est mieux.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres types de caméras que vous préférez pour les replays. Vous notez ça dans les commentaires et je regarderai pour faire comme vous préférez pour les prochaines vidéos. Quel bonheur. Voilà. Oh mon Dieu. J'ai failli me déplacer une vertèbre. Allez. On va quitter. Le replay. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ce beans? C'est pas moi quand même qui suis arrivé comme ça sur le toit là. Il est tombé, on aurait dit qu'il était accroché au-dessus et que tout d'un coup, buf, il tombait comme une grosse merde. Excellent. Allez, on va aller voir pour une autre destination. Ça sent encore quoi ça? Remporter le championnat. Ford Mustang 17. Ah oui, ça. Terminer la Ruta Norte. Terminer toutes les courses de rue. Je sais pas trop comment ça va ce truc là, on va peut-être prendre autre chose du coup. Expédition. Ah, on n'a pas encore fait ça. Expédition de Guanajuato. Terminer cette expédition pour mettre sur pied l'antenne Horizon Sun. J'avais pas encore fait ça. Je suppose que si je l'aurais fait, il y aurait eu un petit V dessus. Dès que possible. On va aller voir. On va les yuter ça. Ouf, là, je l'ai un petit peu trop frôlé, comme on va dire. Pareil. Oh là 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 là, j'ai peur là.
Et le voici. Alors on va voir ce que c'est. Je dois impressionner mes amis. Alors je me suis dit que le plus efficace, c'était de battre une superstar d'Horizon chez moi. Le premier à la basilique gagne. Le mystérieux El Jeff. Bon bah apparemment je l'ai pas encore fait alors. Allez, c'est parti. Alors, il y a des amateurs de courses de rue par ici? C'est possible. J'étais encore gamin quand j'ai appris à conduire avec ma mère et mes oncles. Je touchais à peine les pédales. Enfin bon, on dit que le pilote de rue le plus redouté de tout le Mexique est originaire de Guanajuato. Ah bon? Vraiment? Ouais, c'est vrai. On dit qu'il a jamais perdu une course. Il viendra peut-être faire un tour à Horizon. Les effets de fumigène, franchement, ils sont super bien faits, hein, quand tu regardes bien. Et est-ce que ce pilote redoutable a un nom? Plusieurs, même. On l'appelle El Refe, El Perón, El Guapo. Bah, El vu ce qu'il raconte, il me semble que je l'ai déjà fait aussi, cette épreuve. C'est chiant qu'ils mettent pas de petits V là, sur certaines épreuves que t'as déjà fait. Bon, pas grave, ça c'est pas perdu non plus. Et on a droit à un magnifique ciel. Ah, j'ai déjà fait dans les premières vidéos ça. Oh là là, c'est beau, que c'est beau. Fief de la Familia Miron, la plus belle ville du Mexique. Son nom signifie la colline aux grenouilles. Oups là, la grenouille. Ça fait pas très course de rue. Ouais, c'est ça. C'est parce que t'as jamais vu de grenouille lancée à fond. Qui a mis un café ici? Frac? Frac? Ah, désolé. Pas de problème. Les tunnels ont été construits pour éviter les inondations, mais ils sont parfaits pour El Refe et les pilotes du coin. Ouais, tu m'étonnes. Oh, et fais gaffe au trafic. Il y a parfois du monde dans les rues. Ouf. Apparemment, les pilotes trouvent que ça pimente. Les voitures rapides, c'est pas fait pour moi. Enfin, c'est ce qu'on dit. Ah, c'était déjà là, vous voyez que ça continuait plus loin. Eh ben, une petite victoire encore. La basilique collégiale de Notre-Dame de Guanajuato. Les pilotes viennent ici pour demander à Notre-Dame de les bénir. Écoute, je vais essayer de contacter El Refe. Il paraît qu'il est très strict, mais s'il estime que t'as le niveau pour rejoindre les courses de rue, alors peut-être... Ramiro, je sais que c'est toi. Oh, on l'avait déjà fait, ça. Allez, viens, je vais te présenter mes amis. Ce n'est point grave. Bon, maintenant que tu connais mon grand secret, faut que je te montre un truc. Suis-moi. On va où maintenant? À l'extérieur de la ville, à une rencontre de pilotes. Mais ta famille est au courant pour El Refe? Tu rigoles! Mon père m'en voudrait à mort, et mon oncle Carlos me proposerait une course avant chaque repas de famille. C'est difficile de garder une course de rue secrète maintenant. Il va falloir que tu montres à ces pilotes comment ça marche. Ils ont jamais participé à aucun festival. Je sais qu'ils apprendront vite. Leçon numéro 1, donner au public ce qu'il veut. Et que veut le public? Quelqu'un prêt à briser les règles. Oh
Oh là là, mec, c'est beau. On a de la compagnie. Voilà, mes amis. Quand on a débuté ces courses, on était juste des gamins au volant de Vocho. Depuis, les pilotes, les moteurs, les fêtes, disons que tout a pris de l'ampleur. Désolé pour tous ces mystères. C'était sympa de revenir ici sous ma véritable identité pour une fois. C'était cool. Merci de m'avoir fait visiter ta ville, Ramiro. Qu'est-ce que c'est beau ici, nom de Dieu. Bienvenue à Horizon Street Scene. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Un vieux slip troué. Ah! Sonnette de vélo comme klaxon. Excellent. Oh, vous avez vu ça, le détail sur les sols, les reflets, la pluie, tout. Magnifique. On a beau l'avoir déjà vu, hein, à chaque fois qu'on revoit, c'est bluffant. Allez, on va encore faire une petite épreuve avant de se quitter. Circuit de cross-country de l'Estadio. On va prendre ça, tiens, c'est pas très loin. Tac. Les pilotes arrivent en masse à Horizon Street Scene, même si c'est nettement moins underground qu'avant. Leur dis pas, hein. Ils tiennent à leur réputation. Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. C'est un petit peu droite-gauche, c'est litigieux, hein, quand tu dis à gauche. Oh, les décors sont vraiment sublimes. Allez, c'est parti pour le circuit de cross-country de l'Estadio. Wow, on va garder le même véhicule, hein. Il va très bien pour ce style d'épreuve, donc on va pas changer. Ouais, ça continue tout droit. J'avais pas fait gaffe tout de suite. J'hésitais. Oh là là. Alors, on vit des champs là, avec la pluie et tout, c'est vraiment superbement bien fait. Hein.
Allez, c'est parti pour le dernier tour. Oh, je vais mourir, putain. Ah, je veux pas prendre par le dessus parce que je me dis si je me plante, les autres ils vont me passer devant. Sinon c'était bien tentant. Oh là là mec, c'est magnifique. Purée. Ah, ce circuit franchement j'aimais bien. Des chouettes décors. Yes! Alors on continue. On va faire encore une épreuve. J'avais vu tout à l'heure qu'il y en avait une pas trop loin, donc on va aller la faire dans le même style. Nouveau chapitre de l'aventure Horizon. Salut l'enragé. Ah, ça y est. Tu veux bien jeter un œil à des aventures? Enfin, si t'as le temps. Oui, ma fille, mais tu vois, je suis un petit peu occupé. Donc du coup, je suis perturbé, je sais plus ce que je devais faire. Bon, bah, on va choisir ça, tiens. Hop. Vocho, trouver, restaurer. Oh non, ça c'est... Ouais, épreuve ultime d'Horizon Mexico. Est-ce qu'on ferait ça? Est-ce que je peux faire ça? Ah. Je vais commencer à un petit succès, Viva Horizon. C'est pas un panneau à péter là. Hola, amigo. Dans le doute. Il paraît qu'on a le feu vert pour le Goliath. C'est génial. J'espère que tout est prêt de ton côté. Vu comme tu pilotes, tu risques de faire tout le Mexique en un après-midi. Le Goliath. Dans 200 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Allez, on découvre encore des routes qu'on n'avait pas encore faites, donc ça c'est une bonne chose. Prenez la première sortie. On n'est pas encore revenu hein, dans ce coin-ci. Ça, c'est cool. Thank you.
Dans 400 mètres, prenez le virage serré à droite. Prenez le virage serré à droite. J'adore défoncer des panneaux. Fais pas des appels à cliquer, voilà. Je t'avais vu. Vous avez atteint votre destination. Allez, c'est parti pour la course route, le Goliath. Qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule du coup là? Bah, c'est sur route, donc je peux reprendre. S'il y a qu'un truc un peu plus. J'ai peur de prendre une voiture trop rapide et de pas m'en sortir. On va quand même essayer avec la GT 2017, la Ford GT 2017. On verra bien. Hein. Du Mexique est officiellement la course la plus longue de l'histoire d'Horizon. Ouh là là. Alors, bonne chance. Merci. J'aurais peut-être pas dû le faire en fin de vidéo. Si ça met deux plombes. C'est qu'un tour, mais combien de kilomètres? Avec un véhicule rapide comme ça, j'ai toujours peur qu'il parte en sucette à la moindre occasion. J'ose pas trop appuyer sur le champignon, mais le temps est sec. Et regardez-moi ce décor magnifique. De toute façon, on va la faire, quel que soit le résultat. S'il faut, je la referai par après, hein. Mais je la recommencerai pas dans cette vidéo. Hein. On verra bien. Avec un tour, donc ça aurait été d'un point A à un point B, on aurait vu au nombre de pourcentages où on en était par rapport à la fin de la course, mais là on ne verra pas du coup. Mais ça va, on est plutôt pas mal, on est quatrième. J'ai appuyé sur Y sans le faire exprès en plus. On va essayer. Oh là là. J'ai plus ou moins bien rattrapé le coup. On va dire ça pour... hein, pour se réconforter. Oh là 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 là, oh, ça c'est Goliath ça. Ça c'est un... Oh là là, il faut pas aller trop vite, Joe. C'était le carton là. Oh, j'adore quand c'est serré comme ça, qu'on est au côte à côte. Au coude à coude, pardon. Côte à côte. Au côte à côte, au coude à côte. Au pied au cul aussi. C'est magnifique. Ouh, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Et tu vois, quand j'hésite trop, on me dépasse. Parce que eux, ils n'hésitent pas. Ce sont des fous. On passe à la 8e position. Continue comme ça, on va terminer dernier. Mais on va la faire jusqu'au bout parce qu'on est des fous aussi.
Et j'adore quand c'est serré comme ça. Ouh. Oh là là, mais c'est des corps de dingue, waouh. C'est clair que c'est long, hein. Si jamais, les gars, vous avez envie de faire une petite pause pipi, vous pouvez vous arrêter et me laisser vous dépasser, hein. Je ne vous en voudrai pas. Course de dingue. Décor magnifique, sublime, waouh, je kiffe ces décors naturels. Pour loin de l'arrivée, hein. J'essaye de tenir bon, mais j'ai les fesses tellement serrées, les amis, qu'on n'arriverait même plus à mettre un papier calque entre. Et Dieu sait que c'est fin, un papier calque. On rattrape, hein. Toujours point de contrôle. On ne voit pas encore ligne d'arrivée.
Heureusement qu'il n'y a pas encore de véhicule sur la route en sens inverse. Oh là là, mais regardez-moi ça, ces effets de soleil et de brume, c'est waouh! Non plus que les gorilles. Pas évident quand tu sors d'un tunnel que tu vois pas bien. Waouh, quelle course de dingue les amis. Waouh. Dépasser celui-là. Ça, je vais pouvoir prendre mes repères dessus. J'espère que je pourrai le redépasser avant la ligne d'arrivée quand même.
c'est une course de malade. Non, 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 non! Pourquoi je pouvais pas revenir en arrière là? Oh punaise, j'aurais pu être premier si j'aurais pas essayé d'appuyer sur le Y pour revenir un peu en arrière comme j'avais touché. Oh là 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 là. Mais quand même, les amis, nom de Dieu, on est deuxième à peu de choses près. Hein. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette nouvelle vidéo pour le Let's Play de Forza Horizon 5 sur Xbox Series X vous a plu, les amis. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains lives. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire également, je vous répondrai. Et si vous voulez que je refasse cette ultime course, cette dernière course dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire également et je ferai ça avec plaisir. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao!